Bonjour, je me trouve aujourd'hui à Carrières sous Poissy avec Denis, que l'on commence maintenant à connaître parce qu'il s'est affiché sur l'action pour la 104 bis. Donc c'est une deux fois deux voies. Denis, je te laisse nous expliquer aujourd'hui pourquoi derrière il y a une tête abatteuse, pourquoi il y a toute cette dégradation sur ce bois ici. Et voilà, pour nous expliquer ce problème, quoi. Alors en fait, ils sont intervenus il y a un mois de cela sur le bois que vous voyez derrière sur la zone de carrière pour construire une deux fois deux voies qui va faire à peu près 7 km de long. Ici, c'est un viaduc parce que de l'autre côté, on ne le voit pas, mais il y a la Seine. Et ça va relier la 15 à la 13. Et là, ils se sont mis à abattre les bois alors qu'ils n'ont pas une autorisation légale de déboisement. Est-ce que tu peux nous expliquer sur ces parcelles, il leur manque des choses? Oui, c'est illégal parce qu'en fait, pour déposer notre demande d'autorisation de déboisement, il faut être en possession de l'entièreté des parcelles. Et il y a un propriétaire qui est très attaché à sa plantation de noyers qui refuse de vendre et qu'on utilise sa parcelle et d'abattre ses noyers. D'accord. Pour les dérogations pour destruction d'espèces protégées par le préfet, vous en avez répertorié 15 de plus, c'est ça? C'est ça. L'arrêté en prévoit 30, alors qu'un expert que nous avons mandaté est venu et en a repéré 15 de plus. Et par ailleurs, il leur manque toutes les espèces végétales qui ne sont pas du tout dans l'arrêté préfectoral. Donc on a plein de choses encore qui sont totalement illégales, on est bien d'accord. Et donc ce projet, vous avez posé des recours en justice, c'est ça? Oui, la semaine dernière, on a fait un référé suspension pour leur dire mais il faut arrêter le massacre qui est en train de se passer parce que donc vous n'avez pas les autorisations légales pour le faire. Il manque beaucoup de choses, nous allons au recours contentieux, donc faites une suspension des travaux parce que le projet juridiquement sera de toute façon arrêté. D'accord. Écoutez, on vous suit, on continue, relayez sur les réseaux sociaux, sur la 104 bis, on est sur les mêmes problématiques, sur la 69. Aujourd'hui, on est en 2023, tous ces projets-là, ils doivent stopper, donc on vous suit et puis on relaie sur les réseaux. Merci Denis en tout cas. Merci au revoir. À toi. Au revoir. Au revoir.